Salut tout le monde, c'est Warconyx. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo réaction sur Fairy Tail EP numéro 69. Hé, hey, toi là, jeune homme. Oui, c'est à toi que je parle. Oui, dis-moi, regarde un truc. Est-ce que tu connais cette chaîne, Warconyx? Que t'es abonné à cette chaîne. On regarde ça tout de suite. J'ai déjà regardé tous les EP, mais les redécouvrir après tant d'années, ça fait extrêmement plaisir. Allez, c'est parti. Ouais, toi, let's go. Alors, Zéro a été vaincu. Le Nirvana n'a pas été utilisé du coup. Les séparations étaient quand même suffisamment très tristes. Alors, pour vous expliquer le temps de l'opening, vous aurez des réactions de divers animes. Vous pouvez les proposer en espace commentaire. Et pour les regarder, c'est-à-dire pour toutes sortes d'animes que je vais faire, bien sûr, je vous offrirai l'opportunité de regarder. Vous avez les plateformes suivantes, ADN et Netflix, pour Fairy Tail en ce moment même. Ensuite, vous avez, bien entendu, mon hébergeur à moi. Si vous êtes intéressé, ce sera en commentaire épinglé. Chia, que vous avez entendu la il l'a dit avant moi. Nouvelle, Ultia. Il n'a pas l'air content, Hadès. J'avoue que ces guildes officielles m'ont impressionné, mais notre objectif est tout autre. Qui a découvert Fairy Tail sur la chaîne Game One? Point d'arrivée. Ah bon? Quelque chose d'une ampleur a bouleversé l'ordre de l'univers. Ah, sans bateau. Ah, il est content, le Natsu, il peut aller sur le bateau. Ça, c'est à cause du sort de Troya. Natsu, calme-toi. Natsu, calme-toi. Prévenu. Vite, refais ta magie, je t'en prie. Vite. Si tu en abuses, elle sera beaucoup moins efficace. Le sadique. Comme ça, il a l'habitude. Happy, il est tellement content. Oh le pauvre, je le plains. Ah, Blue Pegasus. Ichia. Ibiki et Yves. Yves Team. Ah, Jura, après tant d'années, putain, de le revoir comme ça. Ah. Ah oui, les contrats. On a Scorpio, Aries et Gemini qui étaient à Angel. Ah, trois amis. Plus, trois amis. T'es pas obligé de dire ça. Non, vous êtes pas des objets. Je suis pas d'accord. Vous avez des sentiments, tout comme nous. Il est hors de question de vous traiter comme de vulgaires outils. On est content de travailler pour vous, maîtresse. Pour cette raison que j'ai décidé d'inviter Wendy et Carla à rejoindre Fairy Tail. Les gars, calmez-vous. Il est trop mignon. Macao. Bonjour, t'es pas possible, Macao. Et bien évidemment, nous allons tous accueillir Wendy et Carla à bras ouverts. Une belle entrée. Ruby. Ah, tu oublies. Je crois que être trop loin de Grey, ça lui a pas plu. Grey n'empêche pour pas voir. Oh, qui t'a dit de tomber la caméra là? En fait, je suis une chasseuse de dragons. Vous la croyez pas? Ah, un petit peu d'entrain. S'il y en a qui ont le nom du mec qui fait Danse de la Victoire à côté de Lucky et Raiders, je suis preneur. Gajil. Pourquoi? Je suis un chasseur de dragons tout comme eux. Pour... Oui, bah, faites l'arrivée de Wendy, mais doucement. Je vais m'enflammer. Punaise, mais... Pourquoi ça finit toujours comme ça? Monsieur Grey, j'espère que vous ne m'avez pas trompé. Qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Wouah. Ah, Kana. Disparition. Ah, ça, c'est les tableaux des missions. Tu as trouvé une mission qui t'intéresse?
Je ne sais pas trop, il y en a tellement. Alors ça y est, Wendy a trouvé une mission? Pas encore. Ouais, c'est vrai, une mission, ça peut être pas mal. Et bien amusé ensemble. C'est décidé. C'est vrai, ça fait déjà une semaine que je suis arrivée à Fairy Tail. Je me suis assez reposée comme ça. Il est grand temps de se mettre au travail. Dans ce cas, tu devrais accompagner les Shadow Gear. Ou pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas avec nous? Hein? Mais... qu'est-ce qu'il a? Hey. Ça fait plusieurs jours qu'on ne t'avait pas vu ici. Pourquoi il est aussi sérieux? Ouh, on est dans une autre, toute autre ambiance. Toute autre ambiance. Putain, j'aurais pas à le dire. Allons-y, Happy. Oui, chef. Je peux venir avec vous? Si ça se trouve, ce dragon s'est peut-être grandiné. T'es pas possible. Faire livrer celui-ci. Très bien, c'est un excellent choix. Nous avons une nouvelle recrue tout à fait adorable. Elle mérite de goûter à vos pâtisseries. 50 ? Les 49. What ? Combat ! Je me souvenais pas de ce combat. J'ai loupé un épisode là. J'ai loupé un épisode là. Crima. Pas besoin de personnel. C'est quoi ça? Voilà, c'est la Crima. Elle est intelligente, hein. Elle a l'air d'avoir personne. Et c'est franchement la plus louche de toutes. On aurait peut-être dû commencer par là, non? C'est vrai que c'est la plus louche de toutes, hein. La bonne adresse. On aurait quelques questions à te poser. Oui. Elle est pas possible, elle. Wow. Béatitude, Bouminois, vous laissez bouche bée. Elle est chelou, elle. Wow. Ah, ouais. Frère et sœur. Elle arrive pas, il arrive pas à parler, hein. Mais avec Metamodchan, je suis convaincue. Oui. Oui. Si vous voulez, j'ai encore temps. T'es là pour parler du dragon. Oui, parlons un peu du dragon, c'est très intéressant. Ah, là on passe aux choses sérieuses. Recherche d'Ignir, un dragon qui a disparu il y a 7 ans. Et elle, c'est un dragon nommé Grandiné qu'elle essaie de retrouver. Grey n'est pas là. On t'est de toutes pièces. Oui, c'est bizarre. C'était du... What, ils sont où là? Mauvaise nouvelle, vous êtes faits comme des rats. C'est ce qu'on va voir. Point d'acier du dragon de feu. Ce que j'attendais, c'était des clients comme vous, des chasseurs de dragons. Qu'est-ce que tu racontes? Ouah, c'est une illusion. Hey! Tu fais peine à voir, Natsu. Tu es venu? What? Alors, tu es satisfaite? Oui. Sois le bienvenu, Grey Fullbuster. Qu'est-ce que ça veut dire? Kyuga va pas être contente. Wow. Et je me suis rendu compte qu'il était temps de tourner cette page. Définitivement. Mais qu'est-ce que tu racontes? Jusqu'à présent. Mais quoi? Qu'est-ce qui te prend? Je m'en souviens pas. Je sais qu'il a un plan, mais. Peut-être, mais au moins, je suis quelqu'un. Adieu, Natsu. Quoi? Ça se finit comme ça? Putain, je mets pas en pause. Attends. Ça vient de se finir comme ça. Donc, bah, ce sera pour le prochain EP. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Désolé si des fois je parlais pas, mais en fait, il y a des choses que j'ai pas compris. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé cet arc-là, donc c'est l'arc Daphné. D'ailleurs, c'est peut-être un des arcs que je déteste le plus, je crois. Non, c'est Eclipse. Je me suis trompé. Bah là, je suis perplexe parce que
Gray, je sais qu'il a un plan, mais quoi? J'en souviens pas. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Puis moi, je vous dis longue vie à Fairy Tail, à tous les autres univers d'anime. Et puis moi, je vous dis, c'était Warconix. À la prochaine!